Coucou les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés vendredi dernier. Voilà, je vais pas m'éterniser plus parce qu'il y a bien assez de gens qui le font et puis je préfère laisser parler mon cœur autrement que comme ça, bref. Donc on va commencer tout de suite, donc ça va être une vidéo top et flop de mes produits alimentaires. J'avais envie de vous faire ça, puis ça changeait un petit peu. Et puis entre mes tops et mes flops, je vous donnerai évidemment le code de Coralie qui sera un petit peu corsé. Vous allez voir. Donc je vais commencer tout de suite par mes tops. Alors il y en a que j'ai plus, donc je vous mettrai une image en fait, donc ça prendra tout l'écran je pense, parce que avec le logiciel que j'ai, enfin avec mon iPad je peux mettre que en plein écran, je peux pas mettre là-haut par exemple. Donc on va commencer tout de suite. Donc un de mes produits top, on va dire, de ce moment, enfin de ce mois, je pense des mois à venir aussi, ça va être la clémentine. Alors bon, celle-là elle est un peu molle, mais franchement les clémentines, ça y est, c'est revenu, c'est en pleine période et je kiffe ça. Voilà. Mon deuxième top, alors ça va être quelque chose que je me suis acheté il y a un petit moment déjà, qui coûte cher. Alors c'est du thé des Daman frères, enfin frères Daman, et c'est le Touareg. Moi il me fait penser au thé de quand j'avais été en Tunisie, donc là c'est du, oups, c'est du thé vert feuille de menthe, voilà, et franchement il est trop bon. Le truc c'est que la boîte comme ça là elle coûte 10 euros, donc c'est pour ça en fait j'en bois vraiment pas souvent, parce que j'ai trop peur de tout boire avant, bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, mon troisième top, donc mon avant-dernier top, ça va être une sauce. Alors, je vais vous montrer la sauce, elle se présente comme ça, si vous voulez. Il y en a, c'est au Leclerc que j'en trouve. Il n'y en a pas dans tous les Leclerc. Alors, celle que je vais vous présenter, c'est la Hannibal. Mais moi, celle que j'adore, c'est la Algérienne. Je la kiffe trop. Par contre, elle arrache la gueule. Donc, si vous aimez pas les trucs qui piquent, la prenez pas. Celle-là, elle est beaucoup moins piquante et elle est beaucoup plus acidulée, je dirais. Mais il y a plein de sauces comme ça. Donc, si vous connaissez pas les sauces comme ça, des fois, ils en font en promo. Bah, goûtez-les. Moi, je les trouve vraiment plutôt sympas. Voilà. Et on va passer justement à mon dernier top que je n'ai plus. Ce sont les cookies granola à mettre au micro-ondes. Extra moelleux je crois, et je les aime vraiment beaucoup, donc je vous mettrai une image, et je les trouve vraiment sympa. Par contre vraiment à manger au micro-ondes, pas à manger juste comme ça, enfin je sais pas si vous avez compris. Voilà, donc on va passer au code. Alors le code, je vais vous le donner sous forme de code et je vais vous donner un mot pour pouvoir déchiffrer ce code. Donc le mot de code c'est LYXR. Attendez, je l'écris. OEB. Et pour déchiffrer ce code, je vais juste vous dire quelque chose. Avocat. Avocat. Voilà. Si c'est un peu trop dur, je vous donnerai d'autres indices. Et puis vous demanderez à Coralie. Puis je pense qu'elle vous donnera des indices. Donc c'est un mot. Enfin, c'est quelque chose qu'on a envie de partager en fait. Le mot de code. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Vous verrez bien. Alors on va passer à mes tops, donc là c'est pareil, j'en ai 4 mais j'en ai que 2 avec moi. Donc je vais commencer par les cookies, alors de la marque Granola encore, Odin. Alors quand vous ouvrez, ça sent super bon le Odin, mais alors quand vous goûtez, c'est juste des pépites de chocolat avec du caramel. Je ne vois pas du tout l'intérêt de marquer d'un juste parce que c'est du chocolat et du caramel. Pourquoi pas mi-choco non plus, enfin je veux dire, c'est aucun intérêt. Ils sont bons, mais voilà, c'est juste parce qu'ils ont marqué d'un et je trouve que c'est une publicité mensongère, tout simplement. Mon deuxième flop que j'ai pas là non plus, c'est le cake ou le 4 quarts, enfin c'est pas du 4 quarts, je pense que c'est plus du cake, de la marque Saint-Michel au caramel oversalé. Bretonne, bah je peux vous dire que les trucs au caramel, au beurre salé, en dehors du caramel à couler comme ça en coulis là, les autres c'est pas très bon. Je trouve que ça ressemble plus à un pain d'épices à la rigueur, en plus j'aime pas trop ça.
Vous, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà goûté ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop trop. Voilà. Enfin, avec du Nutella dessus, ça passe. La fille, vachement. Mon avant-dernier flop, c'est la marque Mami Nova et c'est un yaourt au caramel au beurre salé. Alors, vu que mon copain, il sait que j'adore le caramel au beurre salé, il a voulu me faire plaisir. Mais alors, ce truc, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça a pas du tout le goût de caramel au beurre salé. Pour ceux qui ont goûté du caramel au beurre salé, eh ben, vous allez être vraiment déçus. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont. Peut-être goût caramel, oui, mais pas au beurre salé, faut arrêter. C'est publicité mensongère, quoi, je veux dire. Voilà. Bah après, vous pouvez aimer, hein, mais moi j'aime vraiment, vraiment pas. J'aime pas trop la texture que ça, parce que c'est pas vraiment un. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu. Pas gélatineux, mais je sais pas. Bon, bref, j'aime pas. Voilà. Et mon dernier flop, alors c'est un flop sans vraiment être un flop, je vais vous expliquer. Donc, c'est le beurre président. Donc, j'ai vu ça à la pub il y a longtemps et mon copain il l'a vu, il y avait une promo dessus. Donc, il s'est dit qu'il allait me le prendre. Donc, c'est le beurre donc président aux éclats de chocolat. Alors, le concept est super bien. Le souci principal, on va dire, c'est que pour l'étaler, c'est super compliqué parce que, comme je vais vous montrer à l'intérieur, je l'ai pas mal creusé quand même. Enfin, creusé. Voilà. Donc, comme il y a plein plein de pépites de chocolat, bon, le chocolat est bon dedans, moi j'aime bien. Comme il y a plein de pépites de chocolat, c'est vrai que c'est assez compliqué d'étaler. Donc, ça, voilà, premier bémol. Et deuxième bémol, alors. Je suis une Bretonne, comme je vous ai dit. Et là, en fait, je pense, j'en suis même sûre, je mettrai ma main à couper, ma tête à couper, tout ce que vous voulez, que c'est du beurre doux. Sauf que c'est précisé nulle part. Donc, c'est un flop pour ça, parce que c'est du beurre doux, que je déteste le beurre doux. C'est juste pas possible. Donc, j'ai vu à l'intérieur, là, il y a un petit truc promo. Et c'est marqué, donc sur celui-là, il y a un petit truc rouge là. Ah, il me semble que c'est ça, ouais. Et en fait, c'est marqué doux dessus. Donc je pense que, parce que c'est marqué qu'ils allaient en faire. Nana. Au chocolat au doux ou au demi-sel. Donc là, comme il n'y a rien d'écrit, je sais pas. Enfin, je suis sûre que c'est au beurre doux. Mais voilà, j'espère. Si je peux goûter au demi-sel, je pense que j'aimerais beaucoup plus. Et juste un petit message aussi, je pense que vous regarderez jamais cette vidéo, mais pour ceux qui font la marque, enfin, paysan breton, arrêtez de faire du beurre doux ou alors ne vous appelez plus paysan breton, quoi. C'est une insulte. C'est une insulte. Voilà. Donc ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous trouverez le code. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!